Mais qu'est-ce que tu fais? Moi? Oui, toi. Rien, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu vas fouiller dans le carton? Mais parce que je sais ce qu'il y a dedans et je veux qu'il sorte. Et t'as demandé? Oups. Désolée, maman. Ils auraient dû demander. Et tu veux un coup de main, c'est ça? Maintenant que tu demandes. Ok, je vais t'aider. On le fait tous les deux? Ouais. Allez. Ah, j'ai fait le plus gros, maintenant tu te débrouilles. Ah, mais t'inquiète pas, c'est pas encore assez nul, hein. Je peux me débrouiller pour certains trucs, maman. Allez. Allez. Sortez. Ah, mais vous êtes vraiment dans une position bizarre. Ah, pourquoi tu montes son cul, lui? Ah bah ça je sais pas, écoute, hein, il était emballé comme ça. Hein. Je l'ai emballé vite fait tout à l'heure quand j'ai ouvert le colis pour voir comment c'était dedans. Bah ouais, mais là il monte un peu son cul, maman. Ah bah excuse-moi, écoute, hein. Je fais comme je peux, mon petit gars. Hein. Bah c'est pas grave, vas-y. On finit de déballer. Ouais, je vais t'aider, c'est ça? Un petit peu. Alors, toi, voilà. Voilà, t'es content? Ouais. Maintenant, il faudrait un peu la redresser, par contre. Ça, il faut tout faire, toi, dans la vie. Voilà. T'es content? Mais je suis pas sûre qu'il va tenir, hein. C'est pas grave. Ça peut en montrer aux gens. Ok, tu veux montrer tes nouveaux copains. Ah bah, lui tombe pas dessus, d'ailleurs. Bon. Le gros. Les petits. Donc pour ceux qui connaissent pas, il s'agit de peluches japonaises. Donc des gloomy bears en fait. Donc là un plus gros et là un plus petit. Ah, mais c'est mes copains! Bah oui, mais tu t'en occupes pas de tes copains. Copain! T'es content, hein? T'as deux nouveaux copains. Oui. Des copains d'ours. Eh ben, dis donc. Ah, copain! Copain! Oh, je suis pas méchant, moi! On n'a pas l'air tellement d'accord, hein. Je suis dans du carton. Je suis pas méchant. Il a pas tort. Faut être gentil, hein, les Gloomibira. C'est que de base, vous êtes des oursons tueurs. Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Gloomibear, c'est pas qu'une simple peluche de base. Donc, je ne vais pas vous la raconter là dans la vidéo parce que c'est pas vraiment le but, c'est vous l'auriez compris, c'est une vidéo un peu humoristique. Mais je vous invite à aller voir sur internet, vous tapez Gloomy Bear. Et là vous aurez sans doute l'histoire de ce fameux ourson et du petit garçon qui est dans l'histoire. Moi je la connais déjà, mais à expliquer ça serait trop long. Donc voilà. Tout petit, moi. Ah bah ça, on avait vu que t'étais tout petit. Mais je suis tellement mignon. C'est vrai. T'as vu, t'as fait tomber le gros. Oh, c'est normal, il a trop mangé.
Ah, parce que vous avez fait la collation, vous arrivez? Bah oui, le transport, ça met plusieurs jours. C'est vrai. Donc vous êtes gavé en fait avant d'arriver. Ouais. Oula, t'as une voix vachement grave. Un peu. Et puis en plus, ouais, quand tu parles, tu fais pas semblant, quoi. Par contre, tes griffes, hein. Tu te les gardes, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Je réfléchis. Et tu réfléchis à quoi? Je viens d'arriver. Je ne connais personne. Et j'ai pourtant déjà des envies de meurtre. Putain, on le renferme, lui. Il fait trop peur. T'inquiète, c'est dans sa nature. N'aie pas peur. Il va falloir se calmer, mec, ok? Ici, pas de meurtre. En tout cas, pas toi. Moi, oui, mais pas toi. D'accord, je vais réfléchir. Moi, par contre, je suis tout gentil, tout mignon. Oui, ça se voit. Ouais, ben, je crois que je préfère le petit au final, maman. T'inquiète pas, c'est juste autant que le grand, il s'approprie l'état des lieux, la chambre, qu'il fasse connaissance avec toi et les autres. Voilà quoi. D'accord. Merci maman d'avoir resté de nouveau copain. Oh, il était mignon. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est une petite vidéo humoristique et puis aussi pour vous présenter mes deux nouvelles peluches dans ma collection. J'ai acheté sur eBay, pardon, à une personne vivant en France. Donc je les ai à prix très correct, sachant qu'il y a un grand de 30 cm et un plus petit d'une quinzaine de cm. Ça arrivait très rapidement via Mondial Relais. De toute façon, jamais eu aucun souci avec Mondial Relais. Donc voilà, c'était la petite vidéo humoristique. Et en fait, aussi pour la petite info, ce n'est pas mon nounours là. En fait, c'est le nounours de mon copain qu'il a eu quand il était enfant. Genre, il devait avoir 2-3 ans quand il l'a eu. Mais le problème, c'est que c'est toujours moi. Et il est toujours allé avec moi en fait. Je suis toujours en train de le kidnapper. Bah oui, ta maman. Oui, je suis ta maman, tu vois. Vous voyez, je suis sa mère, en fait. Et l'autre, c'est même pas mon père. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il dit que mon copain, c'est pas son père aussi. Il est tout le temps en train de l'insulter, de lui dire des horreurs sur lui, sur sa mère et tout. C'est pas vrai, on dit tout la vérité. Oui, mais tu l'insultes. Bah, c'est pas de ma faute, c'est ça, un gros con. De toute façon, c'est pas mon père. Oui, bah ça, je sais que c'est pas ton père, mais là, tu sais que t'es en vidéo. Oups. Désolé, les gens, faites pas trop attention à ce que je dis. Ok? Parce que je veux pas avoir de soucis, moi. Donc, c'est, comme je le disais, le nounours de mon copain qu'il a eu étant enfant, mais. C'est toujours moi qui le kidnappe. Je vais en week-end chez lui, je l'emmène. Je repars de chez mon copain, je le ramène. Toute la semaine, il reste avec moi. En ce moment, il n'y a pas dans le lit ni rien parce qu'en ce moment il fait tellement chaud. Je suppose que par chez vous aussi, du coup, bah là il y a la couette, mais elle vire après en quelque sorte avec la chaleur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit truc improvisé, franchement, à l'arrache. Mais bon, j'avais envie de refaire une petite vidéo humoristique. Et puis en même temps présenter mon fils. Du moins, le nounours de mon copain. Non, je suis pas son fils. Oui, je sais, j'ai dit que t'étais mon fils. Moi, j'aime mieux ça. C'est pas facile, hein, vous voyez. Donc, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bien entendu, c'était Delphine pour pas changer. Bisous, au revoir.